Bonjour, Votre Excellence, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers invités. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui, même si de long, par l'intermède du système de vidéoconférence, afin de respecter les règles de distance sociale. Je vous félicite pour l'idée d'organiser un débat sur la gestion pédagogique et médicale de la pandémie Covid-19. Le moment choisi est encore plus significatif, alors que la fin de 2020 s'approche. Nous nous sommes confrontés à une nouvelle vague de maladies qu'on préconisait d'ailleurs. Je crois vraiment que c'est le moment opportun pour un bilan. Pas un bilan négatif en tant que nombre de victimes ou de malades, mais un bilan de l'espoir plutôt. Un bilan des leçons apprises au cours de ces derniers 8 mois. Un bilan de ce qu'on doit faire à partir de maintenant. Je suis enchanté de votre choix de se concentrer sur les deux sujets qui me sont très chers. Le système éducatif et le système médical dans le contexte de la lutte contre le virus COVID-19. La manière dont la pandémie a affecté ces deux systèmes nous a montré à tous qu'on a besoin d'efforts soutenus pour le faire survivre et que ces efforts doivent mettre en valeur non seulement la performance du système, mais notre humanité aussi. Face à l'avalanche de maladies, même le système médical le plus performant a échoué. La quantité insuffisante de ressources médicales pour un grand nombre de patients gravement malades a mené, dans certains cas, à des décisions terribles. Forcés par les circonstances, les médecins ont eu le choix de traiter les patients qui avaient de meilleurs chances de survie et confier aux mains du Seigneur ceux qui présentaient des comorbidités associées à un risque élevé de décès. Même dans les conditions difficiles, de l'absence d'outils et du personnel insuffisant, les médecins ont essayé de respecter leur serment et d'accomplir leur mission de sauver les gens. On a beaucoup à apprendre de leur expérience. Il est désormais nécessaire de concentrer nos efforts sur l'augmentation des infrastructures médicales en ce qui concerne le traitement, mais aussi la prévention. Nous devons mettre en valeur encore plus le capital humain du domaine, c'est-à-dire les médecins. Les médecins qui ne sont pas seulement les gens qui font des miracles face à la maladie et à la mort, mais ils sont à leur tour des gens vulnérables. La pandémie a mis en lumière ce fait lorsqu'un grand nombre de sauveurs sont devenus des victimes. 2020, en Roumanie, comme dans beaucoup d'autres pays, le système éducatif a été mis en ligne en tant que mesure pour empêcher la propagation de la maladie. En connaissant les limites du système, j'ai un regard sceptique en ce qui concerne cette éducation en ligne, mais j'espérais que ce serait une solution à court terme. Malheureusement, la situation a longtemps entraîné, malgré les timides tentatives de retour à la normalité, l'éducation est restée en ligne. Mettre en ligne le processus éducatif met en question le grand problème de la transmission du savoir. Comment adapter le système pour faciliter une bonne compréhension du savoir? Les solutions trouvées sont en cours de vérification. Mais ce qui est le plus important, c'est que la pandémie nous a montré que le processus éducatif veut dire plus que des simples compétences du savoir. Cela inclut des émotions,
des sentiments. En allant à l'école ou à l'université, nos enfants apprennent à devenir des individus sociaux, à aider, à travailler en équipe, à éprouver de la compassion pour les autres. Ils apprennent à lier d'amitié, à se réjouir et à rire, à jouer et à éprouver beaucoup d'expériences. La pandémie nous a fait découvrir que tout ce qu'on fait, y compris le processus éducatif classique, quelles que soient les limites, veut dire en effet faire l'expérience de la vie. Nous avons besoin de systèmes d'éducation bons et performants afin de préparer les spécialistes qui vont nous soigner à l'avenir. Mais nous avons aussi besoin de l'éducation afin de comprendre que cette lutte contre le virus signifie aussi une lutte de la préservation des valeurs morales, de la gentillesse et de la solidarité. Nous a offert une autre leçon importante. Elle nous a montré que le système, les procédures et le savoir qui nous sont si utiles ne comptent pas trop. L'important est de faire l'expérience de la vie et d'apprendre à valeur chaque jour jusqu'au bout. Désormais, c'est ainsi que nous devrons agir. Nous devrons apprendre le savoir-vivre jour après jour. Avant d'être des spécialistes, nous sommes des êtres humains. En conclusion, je voudrais attirer votre attention sur un projet lancé ce printemps à l'Institut de haute études pour la culture et la civilisation du Levant. Le monde après la pandémie COVID-19. Une vision humaniste du développement durable. Le but du projet est une anticipation pluridisciplinaire de l'avenir. On veut rassembler en ligne, aussi dans un volume, des opinions, des idées et des recommandations sur la ressemblance du monde après la pandémie. Ce sont les opinions des spécialistes de divers domaines d'activité, économie, éducation, médecine, écologie, arts, sciences et technologies, droits de l'homme, etc., ainsi que de représentants universitaires et des anciens chefs d'État et de gouvernement. L'objectif du projet est de construire un cadre de débat pour identifier les solutions possibles de la reconstruction progressive de notre monde et des domaines d'activité fortement affectés par les restrictions de ces derniers mois. Je vous invite à accéder à la plateforme en ligne du projet et aussi à envoyer des contributions si vous le souhaitez. Je vous remercie.